Et salut à tous les amis, je suis Gaultor Barbefer, toujours avec la vache, hein, avec la rose dans la bouche, hein, ça ne change pas. Et aujourd'hui donc, nouveau petit donjon en solo donc qui va changer donc de celui qu'on a fait juste avant, parce que là on va aller chercher toujours pareil des transmos, un donjon cette fois-ci qui est moins intéressant en termes d'esthétique, mais sur lequel on peut avoir une monture et ça fait plutôt plaisir. Allez, c'est parti. Donc ce sont les salles de Setec, donc il va falloir se rendre donc comment s'appelle, en Burning Crusade. Pour ça, extrêmement simple, extrêmement simple. Il faut partir par... Oui, c'était une blague de merde. LOL! Oh, faut que j'arrête. Putain. Putain! C'est pas vrai, con. Il faut partir donc vers le portail de l'éternel printemps. Donc, côté Alliance comme côté Horde, ça ne change pas. Vous allez. Donc, la capitale. Les capitales, on va dire plutôt des pandas. Je les appelle les pandas. Je sais que c'est pas les pandas, mais je m'en fous, je les appelle des pandas. J'appellerai toujours des pandas. D'ailleurs, je le redis encore une fois, mais toujours, hein, mettez votre pierre de téléportation là-bas. Hein, la pierre de foyer, parce que grâce à cette pierre de foyer qui est là chez les pandas et l'autre la zone qui te, enfin, l'autre pierre de TP qui te permet d'aller dans Dalaran, donc la nouvelle avec tous les portails, tu peux aller partout dans le jeu. Donc je le redis encore, n'hésitez pas à foutre votre pierre de TP là-bas. Donc on va là-dedans. Et je crois que c'est côté droit les portails, hein. Alliance est côté gauche, je crois que la Horde c'est côté droit, si. Mes souvenirs sont bons. Donc que va-t-on faire dans les salles de Setec? Qu'est-ce qu'on peut looter? Ben vous allez voir tout ça, on va en parler pendant qu'on fait tout le voyage. Donc on prend le portail ensuite pour aller vers Shtrat. Alors il y avait exactement le même portail dans la chambre du gardien, mais je préférais passer par là pour vous montrer que à partir de là vous pouvez vraiment aller où vous voulez à partir de chez les Pandaren. Il y a, de toute façon, il y a 50 000 façons d'accéder à chaque fois aux zones, hein, donc il y en a toujours que vous pouvez considérer plus ou moins rapide. Celle-ci, je trouve qu'elle est très rapide parce qu'on pop juste à côté, de toute façon, hein, donc on est vraiment pas loin du tout. Youhou! Alors, j'ai une panthère qui court dans le vide. Et alors, c'est quoi le problème? Shtrat qui est vraiment une zone sympa que j'avais pas mal aimé. Qu'est-ce qu'on peut looter là-dedans? Alors déjà, on va ouvrir notre map, voilà, parce que le donjon en question, il est là-bas, ouais, là, il est là, donc, hop, par là-bas. Il y a quand même un petit peu de chemin à faire, non, par là. Voilà, on a quand même un petit peu de chemin à faire. Donc voyons ce qu'on peut looter. Déjà, il faut savoir que vous devez mettre absolument la difficulté du donjon en héroïque, parce que sinon vous ne dropperez pas la monture, enfin, vous n'aurez pas une chance de dropper la monture, ça n'est pas du 100%, il faut se calmer. Donc... Regardez, si je le mets en normal, voilà le loot qu'on a, hein. Genre, ouais, bon, très bien. Par contre, si je le mets en héroïque, boum, les reines du seigneur Corbeau. Et donc, je pourrais vous montrer à quoi ressemble cette monture. Ensuite, on a du stuff pas top, hein, on va pas se mentir. Niveau transmo, on a un bâton. Voilà, une hache, qui est sympa, mais qui est trop petite pour une hache à deux mains, je trouve. Un marteau à une main, ridicule. Une dague, alors, pire que ça. Un fusil. Pas mal, on va pas se mentir, le fusil est pas mal. Pour un côté alliance, ça rend bien. Petit côté comme ça, un peu doré et tout, chromé, pourquoi pas. Et ensuite, bon, des épaulettes que je trouve un peu... Je trouve sympa pour des épaulettes de cuir, mais surtout, des épaulettes de plaque, boum. Regardez-moi ce bordel, quoi. Ça fait 10 tonnes, 10 tonnes par épaulette. Minimum, quoi. Je pute un truc. Et après, que de la merde. Donc on va pas se mentir, on va là-bas que pour la monture. On va là-bas que pour la monture. Alors de mémoire, c'est celui-là. J'ai un peu un doute, je sais plus si c'est là-bas en face. Non, normalement c'est à gauche ici. Parce qu'il y a trois donjons ici. Décidément, il y a toujours trois donjons par trois donjons. Non, ça c'est les Ushindun. Donc c'est en face? Non. Non, je n'y crois pas une seule seconde. Ça c'est tombe mana, ça. Ah non, labyrinthe des ombres, c'est même pas ça en plus. Donc c'est à droite. Ah. Ah. Non, c'est... Crypto Schneider. Mais non, mais j'avais raison, c'était bien à gauche. Ah, putain. Ce con de Gaultor. Décidément. Donc c'est bien ça. Quand vous arrivez, hein, donc c'est bien. Vous avez en face donc celui avec la porte, là.
Avec la porte pour aller vers le labyrinthe des ombres. C'est à gauche, c'est bien ça. Je ne sais pas pourquoi je disais que c'était pas ça. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Je me mélange un petit peu les pinceaux. Les pinceaux. Allez, salle de Sétek. En héroïque, bien évidemment. Donc vous pouvez le faire une fois par jour. C'est une monture très facile à récupérer. Elle est très très simple à choper. Et puis, on va pas se mentir, hein, c'est un truc que vous pouvez faire allez, en quelques minutes à peine. Bon allez, boum! Bon là, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? De loot spécifique à récupérer. Hein, on ne peut pas récupérer la poignée endommagée sur ces petits cons. Je les loot quand même. Parce qu'on sait jamais, on peut avoir une petite transmo verte sympa qui pourrait m'intéresser, me débloquer un truc. Mais sinon, voilà. Donc voilà, les salles de Sétek, avec le ciel ouvert, hein, ici, les trucs qui sont complètement pétés. Et toute cette armée de corbeaux qu'il y a là. Alors ça, faut savoir que là maintenant, on se marre. On est en mode, ouais, bon, les corbeaux là, on va vite régler ça, ça va être torché en 2 secondes. Mais avant... Cette salle, c'était un enfer. C'était un enfer parce que ces cons là, je sais plus lesquels des deux là, ont la capacité de contrôle mental. Et alors là, quand tu te faisais contrôle mental, tu pleurais du sang. Parce que c'est un contrôle qui durait je sais pas combien de temps. Et pour peu qu'il y ait des gens qui s'amusaient à aggro un petit peu tout, ça partait très très vite en sucette. Mais sinon, à part ça, bon. C'était vraiment la seule difficulté du donjon, on va pas se mentir. Ce donjon était plutôt simple à part ça. Alors il faisait des rites un petit peu bizarres ici avec les dans l'histoire de ce donjon là. Avec les esprits qu'il y a là, ils invoquaient des trucs avec leur totem et je sais pas quoi là. C'est con de Dom Piaf, ça s'appelle comme ça. C'est. Non, c'est les. Je sais plus comment ils s'appellent. Je sais plus leur nom exact. Ils ont un nom, hein, ils ont un nom bien précis, mais je ne sais plus lequel c'est. Mais bref. Ces petits cons là. Généralement, ils s'amusent à invoquer des saloperies hein, venues de je ne sais quel monde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des minerais et des plantes dans le donjon. Ça, c'était sympa. Dans des petits donjons comme ça, il y avait souvent des minerais qui traînaient. C'est un truc qui s'est perdu, ça. Hein, les minerais qui traînent à droite à gauche dans les donjons. J'ai pas souvenir que à Légion, il y ait des minerais dans les donjons ou des plantes. Si, peut-être. Peut-être, si, si, en fait, peut-être. D'ailleurs, on voit des plantes là. Celles-là, elles sont super chiantes à récupérer. Je peux les récupérer? Ah, je peux les récupérer. Ce sont quoi comme plantes? Ah, du lichen ancien. Voilà, c'était le lichen ancien. Je crois qu'il y a un truc genre le. Un truc des rois ou je ne sais plus quoi là exactement comme nom ici. Que tu peux récupérer aussi comme plante. Bon, alors le premier boss. Bon, ben. Voilà quoi. Un coup blanc. En plus, un coup blanc en ralenti. Alors, on peut déverrouiller ce personnage qui nous permettra de faire une quête d'escorte après. Mais ouais, allez, on va le débloquer. Attendez. Donc, je vous fais sortir de là, un instant. Merci de m'avoir libéré, Anselme. Je vais partir pour Chatra. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, lui, il va me donner la quête. Non, c'est pas ça. C'est pas ça encore. Donc, c'est un peu plus loin. Je sais plus. Je confonds peut-être avec un autre donjon. Je confonds peut-être avec un autre donjon. Donc voilà, comme je disais, c'est pas un donjon hyper beau. En esthétique, c'est un peu une caverne, hein, une caverne de camé là qui invoque des trucs dégueulasses. Donc c'est pas foufou, mais bon. Ah mais c'est des Sétek. Ah non, initié Sétek, non, les salles de Sétek. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est leur nom. Alors là, je crois qu'il y a un élite qui peut popper. Enfin, un rare du moins. Vérifions. Non, ça n'est pas un rare. Je me rappelais qu'ici, je crois qu'il y avait un rare ici qui pouvait popper dans l'escalier. Parce que tout le monde rushait comme des bâtards et après ils se retrouvaient contre le rare en question. Ils étaient en mode ah demi-tour, vite! Mission abort! Fuyez, pauvre fou! Et ils se faisaient défoncer la gueule. Qu'est-ce que j'ai pu le farmer ce donjon? C'était les premières montures hein, que j'ai farmées. Hein. Les salles de Sétek, cible du garde. Celui qu'on peut choper aussi avec le corbeau pérégrin blanc, le faucon pérégrin blanc. C'était les 3 premières montures que j'ai farmées dans le jeu. Donc c'est des souvenirs, hein, c'est des souvenirs tout ça. Cette fois-ci, pas de musique bizarre. On est dans de la musique classique, hein, enfin classique. Je vais pas dire de la musique classique dans le sens où vous l'entendez, la musique classique, voilà, comme ça. Alors ces esprits, on peut pas les tuer. Hein. On vous pourchasse non-stop. Tu bois toi, enfin, tu bois toi. Trop stylé d'avoir la consécration en étant heal. C'est trop bien.
Allez, venez. Venez mourir. Voilà. Et bien, on arrive déjà à l'avant-dernier boss. Le petit Setek. Donc, vous voyez, vous avez vraiment... hein, c'est très très rapide. Pour pouvoir arriver donc sur Hanzu. Et il a des piafs ici après qui pouvaient popper et vous sauter dessus. Mais bon. Donc, voyons. Est-ce qu'on va récupérer... Qu'est-ce qu'on a récupéré, tiens? Masse pourrie. Est-ce qu'on va récupérer la monture? Que j'ai déjà, mais ça serait bien comme ça, vous verrez un peu qu'elle est très facile à dropper. Et non. Non, access denied. Dans le cul, la balayette. Bon, ben voilà, tant pis. Et on arrive au dernier boss, donc. Hein, le dernier boss du donjon. J'aime bien ce petit côté avec ces petites lumières. Oui, oui, fait. Ta gueule. J'aime bien ces petites... mais ta gueule, j'ai dit. Ces petites lampes qu'il y a là, elles me font penser à... aux petits aux éclairages qu'il y avait dans Morrowind. Il y avait souvent des petites lampes comme ça, mais pas en bleu, mais en jaune, quoi. Et ça me rappelle beaucoup ce truc-là. Et en rouge aussi. Donc lui, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, il se trouve que ce boss avant, celui-là, là, était hyper farmé. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais Goltor, tu veux nous dire que juste avant... Il y a une monture. Pourquoi les gens farmeraient ce boss? On s'emmerde! Eh bien, pas vraiment. Parce que ce boss-là, je sais pas si c'est dans la table du butin. Vérifions. C'est même pas affiché dans la table du butin. Mais ce boss a très forte chance de vous looter des gemmes. Des pierres, des gemmes, mais déjà prêtes, quoi. Des, comme si vous avez, comme si c'était un joaillier qui l'a droppé, quoi. Donc, il y avait beaucoup de gens qui allaient là pour les récupérer, parce que ce sont des gemmes qui sont très fortes. J'aimerais bien la récupérer pour vous montrer... En choper une, on en a pas chopé. Si on en a chopé une, ben voilà. On a chopé donc la tanzanite luisante, et vous avez vu, plus 5 d'agilité et 4 au score de critique. Il y a plusieurs gemmes différentes qu'on peut choper sur lui. Et évidemment, tout le monde. Tu fais des donjons en solo? R? Oui. Yep. Et donc beaucoup de gens allaient ici pour tuer ce boss, pour récupérer ces petites gemmes là, parce qu'elles étaient gratos, hein. Elles sont pas aussi puissantes que les gemmes que tu pouvais crafter en étant bien sûr joyeux, mais c'était toujours sympa. Donc c'était un boss qui se faisait souvent péter la gueule. Allez, on n'a plus qu'à ressortir, c'est comme Skyrim, j'ai envie de dire. Comment ça s'appelle? Une fois que t'as fini le boss, t'as un petit raccourci qui te permet de revenir directement au début du niveau. Donc on peut passer par là. Tu recordes? Oui. Yes. Attendez, c'est bien par là le donjon? Non, c'est là-bas, c'est tout droit. Et on va pouvoir sortir et je vais pouvoir vous montrer la monture de Setek. Alors. Monture. Ah non, mais putain, t'inquiète. Bonjour YouTube. Bonjour. Je vais pouvoir vous montrer comme ça la monture. Je le répète encore, hein. Encore une fois, ça ne me dérange vraiment pas, hein, que vous contactiez, même si je suis en train de record, c'est pas grave. Bon, bien sûr, je vais pas pouvoir faire une discussion de 50 ans, mais il n'y a aucun problème, hein, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Allez, prenons la monture. Ah non, merde, je ne peux pas utiliser en extérieur. Comment ça? Tu vois, j'ai mis une monture, là, je suis pas en extérieur pourtant. T'sais. Là. Allez, Setek. Petit Setek. Petit seigneur corbeau. Non. Alors. Setek. Monter. Mais du coup, tu es sur ton hors 2. Eh oui. Tu ne le savais pas, renard d'eau douce. Mais effectivement, je fais les raids, enfin les donjons avec le petit hors 2. Donc, voilà la monture que vous pouvez dropper. Très très sympa. Vraiment jolie. Il y a des petits détails plutôt cool, hein, ces petites amulettes qui pendouillent par-ci par-là. Et elle rend vachement bien sur les taurennes, ça par contre on va pas se mentir, vu que c'est des personnages, une race hyper massive, la monture fait deux fois la taille de, comment ça s'appelle, de montures classiques en fait, et même des gens j'ai envie de dire, hein. Si vous tenez à côté de certaines personnes, on va dire ça c'est un personnage classique, type je sais pas moi, humain, vous êtes avec un putain de truc comme ça à côté, le mec il peut se chier dessus bien comme il faut. Donc voilà, c'était les salles de Setek. On n'a pas eu la monture, mais elle tombe très facilement. Sachez que vous pouvez faire ce donjon une fois par jour, en héroïque seulement elle tombe. Et après, si vous avez quelques petits transmots qui vous intéressent à l'intérieur, n'hésitez pas à y aller. Sinon, on va pas se mentir, c'est pas foufou, hein. C'est que du... comment ça s'appelle ?
C'est que pour la monture, pourquoi on y va là-dedans. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, bien évidemment. Et ciao, ciao. On va faire le salut. Salut. Ouais, comme ça. Allez, hop. Ciao.